je m'appelle Jean-François Duquet, j'ai 41 ans. Je suis tétraplégique suite à un accident de plongeon il y a 25 ans. Je suis un ancien sportif de haut niveau en tennis de table. J'ai fait 3 fois les Jeux paralympiques et je joue actuellement au rugby fauteuil au sein du club de l'USA Limoges. J'avais choisi le tennis de table suite à mon accident parce que c'était un sport que je pouvais pratiquer avec mon handicap. Ensuite, ce sport m'a permis de me renforcer musculairement, dans la vie de tous les jours pour m'aider dans la vie de tous les jours. Et puis, ça m'a permis aussi de visiter de nombreux pays et d'avoir des belles médailles. Et ensuite, j'ai fait du rugby fauteuil que j'ai découvert il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis, j'ai fait ça après l'arrêt d'être sportif de haut niveau. Et ce sport, comme je suis un ancien rugbyman, je retrouve les valeurs du rugby au sein du rugby fauteuil, l'équipe, et puis de se défoncer à fond sur le terrain pour soi-même et surtout pour ses collègues. Ce témoignage, je le fais parce que ça me touche énormément. Pas pour moi spécialement parce que je n'ai pas eu recours à des dons du sang, mais je sais que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui en ont eu besoin et d'autres qui vont en avoir besoin sûrement dans les prochains jours ou les prochaines années. Donc n'hésitez pas à venir dans ce bel établissement qui est l'établissement français du sang. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'EFS. Le dernier petit message que j'ai à vous faire passer, c'est que l'EFS, c'est un bel établissement qui va de l'avant tout le temps. Donc, vous avez de la chance d'être au sein de cet établissement. Donc, moi, j'ai qu'une devise, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le sport, qu'on soit handicapé ou pas, il faut toujours aller de l'avant et puis se battre tous les jours parce que on en a besoin. Donc voilà, allez de l'avant. Thank you.